Purifier, je me suis arrangé.
Ma chaîne là-bas. Ma chaîne là-bas. Lui a dit, moi, vous m'avez dit, 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 vous Mon chef m'a placé ici comme président de ce conseil. Nous avons précisé ce conseil avec beaucoup d'intention. Parce que notre village était en désordre. Mais grâce à Dieu, nous avons précisé ces séances et tout le monde était d'accord pour les principes, pour le développement de notre village. Pour l'entente avec notre chef supérieur et ses adjoints. Alors, je suis tellement content. Je ne peux pas dire beaucoup de choses. Je remercie Dieu qui nous a fait venir ici pour arranger les problèmes de notre village. Et quand je rentrerai dans notre secteur Kondoala, je vais expliquer à nos frères qui n'étaient pas ici ce qui s'est passé au village. Et dans cette réunion, tout le monde a constaté que ce qui dérange notre village, ce sont les gens qui vont à l'encontre de notre chef supérieur et ils expliquent à la population des choses parce qu'ils sont tellement ignorants parce qu'on dit souvent que la masse est ignorance. Quand ils donnent leurs conseils, c'est pour détruire, non pas pour développer notre village. Je crois que aujourd'hui, tous les Banjas ont enterré, n'est-ce pas, la hache de guerre. Nos chefs, que nous appelons habituellement Chapko,
on, n'est-ce pas, de manière solennelle, demander des excuses auprès des populations. Et le chef Pandal lui-même a reconnu que ses enfants qu'il a placés hier seraient certainement manipulés par des mains occultes. Et pour cela, je crois qu'au bout du compte, il a, n'est-ce pas, de manière sage, accepté les doléances de ses enfants. Oui, c'est lui. Qui ne demandait jusqu'à présent qu'à être, n'est-ce pas, gracié de leurs erreurs. Au sorti de cette réunion, je dois avouer que toutes les vérités ont été dites. Et je crois qu'en s'en passant, les uns et les autres ont compris finalement de quel côté se trouvait la vérité. Je pense que pour une fois, les Bandiens sont regardés dans les yeux, les vérités se sont vraiment dites. Et je souhaite que des événements comme ceux-ci se renouvellent chaque fois qu'il en sera besoin. Pour ma part, les résolutions ont été prises. Je crois que nos jeunes chefs peuvent effectivement retrouver leur place dans les réunions secrètes de la chefferie supérieure. Je crois que, comme l'a si bien rappelé le chef supérieur, nos jeunes chefs et même les chefs de chaque groupe vont accompagner le chef supérieur dans la destinée du groupement Bandia. Je vous remercie. Oui, l'objectif de cette réunion aujourd'hui, c'était au niveau du chef supérieur, n'est-ce pas, du groupement Bandia, de regrouper les enfants, les fils Bandia, pour essayer, n'est-ce pas, ensemble de voir comment désormais ils doivent regarder dans la même direction. Regarder dans la même direction, tout simplement parce qu'il y a eu un malaise, il y a eu un malentendu, il y a eu, d'ailleurs, même, on va dire même un désordre, hein, comme ça, organisé de part et d'autre, qui avait créé des conflits de personnalité et de responsabilité. À un moment donné, on ne savait plus qui dirigeait en fait le groupement Bandia. Donc, il y a eu des guerres de positionnement, parfois avec la complicité, on va dire comme ça, de certains Edith Tapie, n'est-ce pas, dans l'ombre. Et le chef de Bandia a voulu tout simplement, le chef du gouvernement a voulu tout simplement prendre ses responsabilités et ne pas accepter ce genre de comportement, n'est-ce pas, dans son groupement. Et je peux dire qu'il a prouvé aujourd'hui qu'il reste, n'est-ce pas, un grand chef, qu'il reste, n'est-ce pas, un miroir sur lequel doivent se refléter tous les Bandias, n'est-ce pas, de tous bords. Il a montré également et qu'il est, n'est-ce pas, un de ces grands hommes, un de ces grands chefs qui font également l'événement et l'histoire. Parce qu'il faut reconnaître que c'est une page de l'histoire, n'est-ce pas, de Bandia qui venait, n'est-ce pas, de se tourner et une autre page qui vient, n'est-ce pas, de s'ouvrir. C'est-à-dire c'est une autre nouvelle qui se pointe. C'est un jour nouveau d'ailleurs qui se lève. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au Bandia. Et j'ai dit seulement tous les Bandias en avant et regardons dans la même direction pour le développement de notre village. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est vrai que nous étions dans un blocus, mais avec le débat et la conclusion de Sa Majesté le chef Bandia, nous espérons qu'il va tenir parole et qu'il va vraiment faire avancer les choses telles qu'il a promis au Bandia lors de la réunion, dont je sors avec un sentiment d'espérance. Oui, d'après vous, quel était réellement l'objectif de cette réunion? Bon, l'objectif, tel qu'il a dit, était de dire la vérité au Bandia compte tenu des différents malentendus qui règnent au sein de la communauté Bandia. Bon,
Il a un peu touché quelques points et on reste entre nous, en tant que responsables de la communauté Banja, nous allons conclure la suite entre nous. Parce que comme les coutumes disent, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire en public. On va dire certaines choses entre nous et puis nous allons avancer. L'intérêt de la communauté Banja, il en dépend. Merci. La résolution de cette réunion d'aujourd'hui a été très bonne, comme Sa Majesté vraiment a accordé la paix, la tranquillité et la bonne marche du village. Vraiment, il faut que chaque Banja maintenant se sent capable et marcher sur le droit chemin. Je pense que c'est tout ce que je peux dire aux Banja. Le désordre, vraiment, ça ne paye pas, ça ne construise pas. Aujourd'hui, on a mis la paix, il faut que la paix et l'ordre soient régnés par tous les moyens. Vraiment, nous remercions beaucoup Sa Majesté et les autres sous-chefs, n'est-ce pas, pour pouvoir accepter pour qu'aujourd'hui qu'il y a la paix au village Banja. Oui, par rapport aux autres, ceux qui font le désordre et le médisant. Par rapport à ceux qui font le désordre et le médisant, nous croyons qu'ils ont compris la leçon aujourd'hui et qu'ils désormais doivent marcher sur le bon chemin. Merci beaucoup.